Voici aujourd'hui à Maurice-sur-Loing pour la course des voitures anciennes. Et donc, chère Olivia, tu vas remettre les trophées ce soir aux plus belles voitures d'élégance qui ont été élues en fin de journée. Et tu défileras cet après-midi en voiture décapotable dans les rues de la ville de Maurice-sur-Loing pour la première fois. Ouais. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7.
Je vais quand même vous prêter le micro pour que vous ayez deux, trois petites bricoles à raconter sur votre voiture. Non, mais les principales, celles que j'ai oubliées. Allez-y. Ok, donc il s'agit d'une Talbot Lago. Donc Talbot Lago, pour la petite historique rapide, la marque Talbot était importée en France en fin du 20e siècle et rachetée par Monsieur Anthony Lago dans les années 30. Donc voilà pourquoi ce modèle est une Talbot Lago et non pas une Talbot tout court. C'est donc Talbot Lago T15 Baby équipé d'un moteur 2,7 litres, donc 4 cylindres. Talbot a fait beaucoup de voitures de course à l'époque, gagné énormément le monde pour, grâce à ses moteurs. Et ce moteur pour un 2,7 litres en 4 cylindres développe 120 chevaux, donc ce qui est énorme pour l'époque, qui propulsait la voiture à peu plus de 140 km/h. Donc ça c'est une particularité, un véhicule qui a été fabriqué entre 1951 et 1953 à 364 exemplaires exactement. Et aujourd'hui, on en dénombre en nombre de cartes grises, pas en véhicules roulants, mais en cartes grises, 66. Donc il doit rester à peu près une trentaine de véhicules roulants réels. Et la deuxième particularité de cette voiture, ce qui en fait une exception, c'est qu'elle a dépassé aujourd'hui les 40 000 km. Elle a 40 088 km d'origine. Certifié. Donc c'est extrêmement rare. On est encore sur une fabrication donc tôle et bois. Toute l'auto a une structure donc en bois et la tôle est recouverte par-dessus. Donc, toutes les boiseries intérieures donc, qui servent pour la structure de l'auto sont d'origine. Ce qui est rare aussi parce que le bois a tendance à un peu mal vieillir avec un peu d'humidité, ça arrive parfois. Voilà. Ça en fait une auto effectivement assez rare et très plaisante à conduire avec une boîte très sélective Wilson. Donc on sélectionne sa vitesse avant de changer sa vitesse. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est très plaisant et très agréable. Et c'est surtout le grand luxe à la française de l'époque. Et c'est là, c'est pour ça que je vous fais un petit peu le récap, parce que c'est intéressant pour beaucoup de gens. Talbot, ça reste la Solara, l'Horizon, la Samba. Voilà, faut pas oublier qu'effectivement Talbot et Talbot Lago fait partie de ces grands constructeurs français qui ont fait des voitures extraordinaires au même titre que Bugatti, Delage, Hochkiss. Voilà, tous ces grands constructeurs. Merci à vous d'être resté parce qu'il fait vraiment pas beau et c'est très sympa. Vous avez bien dit que tous ces gens étaient des passionnés. Hein. Donc, Miss Montmartre, qui s'appelle Olivia. 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 Donc, va remettre la coupe alors, à monsieur, à madame. On va les deux. Alors, allez-y. Voilà, donc tout offert par l'Oreille Commerce Artisanat, qui est l'organisateur de cette journée bien arrosée. Bien arrosée, mais on aime bien arroser. Hein. Ça porte bonheur, c'était pour nous. Et tout ce qui est tombé aujourd'hui ne tombera plus l'année prochaine. Ah, c'est vous qui avez débranché. Ouais, peut-être, mais s'il avait su. C'est pour pas parler. Donc, vous êtes arrivé numéro 2 au concours d'élégance. Je ne vais pas en raconter beaucoup plus que ça, puisque malheureusement, hormis ce monsieur qui est en train de filmer et d'enregistrer, c'est la seule chose qu'on aura. Bon, bah c'est bon, ça. Voilà. Oh, ça. Donc, il y a une, voilà, une coupe pour vous, la deuxième, celle du milieu, oui. Donc, Olivia, on va vous remettre la coupe. Voilà. Ah, merci. Merci bien. Et donc, en espérant vous revoir l'année prochaine, hein, si... Dépendant du temps. J'essaierai de faire un parcours différent. On a eu des difficultés avec le parcours. Ouais. On s'est planté à la base et puis après... Non, mais j'essaierai d'être plus didactique, on va dire ça. C'est dit qu'il y a les gens des villages. J'ai tellement l'habitude d'organiser des choses plus compliquées. Ouais, bah oui. Là, j'ai baissé le curseur, mais bon, passe. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, bah, merci bien. Voilà. Vous allez avoir droit à des bras de migraine. Vous avez gagné le troisième prix. Ah, moi je suis bien content. Oui. Voilà. c'est le troisième. Si, oui, c'est une belle. Non, mais j'ai fait une belle auto, sans fioriture, mais dans son jus, on va dire, oui. Peut-être. Oui, et un beau jus. Et un beau jus, qui est vraiment alors, agréable. Injection ou. Injection. Je ne savais pas, donc c'est pour ça que si, c'est toute injection celle-là. Oui. Celle-ci, donc c'est un modèle première série. Mmh. 74. Les plus belles avec les petits feux. Oui. Avec les petits feux là, les 4 phares à l'avant et les petits feux indiquant à l'arrière. Et puis, enfin les plus belles, oui, je pense que les plus belles. Si. Il y a eu les moteurs 1800 et moteurs 2 litres, avec certains 2 litres. C'est un 2 litres, ouais. Et c'est le 1800 qui était à carbure là. Peut-être bien, oui. C'est ça. Hein. Peut-être bien. D'accord. C'est un 1800, c'est un 2 litres, c'est vraiment un moteur agréable, franchement,
La journée s'est bien passée en dehors de ce que l'on ne maîtrise pas. Vous savez, j'organise assez souvent les rallyes, donc la météo, ma foi, l'organisateur, il est pour rien. Il est pour, il fait avec. Donc Olivia va vous rendre la belle coupe. Eh bien écoutez, je vous reviens. Je vous remercie beaucoup, je t'installe. C'est regardez en haut, madame. Et puis merci pour tout, pour l'organisation. Et je vous dis à l'année prochaine. Et bien écoutez, porte chance parce que franchement l'accueil est vraiment formidable, gentil, agréable. Le repas était très bien, copieux, donc une bonne qualité. Le repas, on sait. On n'a pas cherché, on a pris un restaurateur de Moret. Et bien écoutez, c'était très réussi. Chacun son métier. Alors j'ai participé à quelques sorties à Thomery et puis j'avais arrêté parce que j'avais quelques déceptions. Et puis en plus, ça tombait aussi en même temps que le Cassiglès à Magnicourt. Hein. Et comme j'habite à 20 km de Magnicourt. C'est embêtant. Donc j'avais fait comme on avait. Mais là, le 3 mai, bah, bien. Je pense que vous avez pérennisé le 3 mai. Oui, tout à fait, oui, c'est parti comme ça. On met à sa calendrier. Très bien, de toute façon j'ai besoin de ce mail. Hein. Bien donc vous n'y échapperez pas. D'accord. Et bien messieurs, bon retour. Encore merci. Soyez prudents.